Salut la team, bienvenue sur ma chaîne, c'est 19 Crypto. Aujourd'hui, on va parler d'une crypto assez fou qui est liée au Covid. Juste avant que je vous en parle, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Donc c'est parti, c'est sur un article du 20 minutes que je suis tombé. J'avais jamais, malheureusement, je n'ai pas fait attention. C'est une vaccette sperme. Donc qu'est-ce que c'est une vaccette sperme? On va lire l'article ensemble juste après. J'ai été sur CoinMarketCap comme la plupart des cryptomaniaques. Une vaccette sperme, c'est une crypto pour vendre du sperme pour les non, non, des donations ou des donations ou de la vente de sperme pour les non vaccinés. C'est assez fou. J'ai été sur leur Twitter pour voir ce qu'il y a. Donc c'est assez controversé, hein. On peut voir des vidéos comme ça, la vente de sperme de non vaccinés. Alors là, je suis tombé sur le cul en tombant sur cette vidéo-là. Donc les gars qui ont créé cette crypto, je ne sais pas s'ils le font sérieusement ou ça part d'une blague ou c'est juste pour surfer sur ce qui se passe actuellement avec le Covid. Ça reste assez un peu mystérieux. Donc j'ai été sur leur site et on tombe directement sur ça. Êtes-vous contre le pass sanitaire, le pass vaccinal, le vaccin directement? Si je mets non, ça fait ça, ça fait ça. Il est énervé. Donc je mets oui. On est obligé pour rentrer sur le site. Et sur le site, voilà, ils mettent toutes les informations, hein, comme la plupart des cryptos. Là, ils disent, je lis en même temps que vous, hein, pour la liberté individuelle. Blablabla, à long terme. Je vous mettrai le site directement en dessous de la vidéo. Tout est en anglais. Ah, carrément, ils ont fait la pancarte. Bon, ça a été. C'est un Photoshop, mais il dit une vaccette sperme et le next Bitcoin. C'est possible, on sait jamais. Hein, tout peut marcher. Hein. On voit des mêmes coins monter à 1 milliard de market cap. Mais celle-ci, je pense qu'elle va faire énormément de bruit parce que voilà, c'est relié actuellement avec le Covid. Il y a une certaine tension avec tout ce qui est passe sanitaire, compte passe sanitaire. Donc je vais pas parler de politique ici, je vais parler surtout de la crypto-monnaie. Donc par rapport à ça, la liquidité, il y a 6,9% de liquidité de taxes. Ok. Par rapport à ça, comment acheter? Bon, banal, hein, c'est sur la Binance Smart Chain. Pour ça, vous avez besoin d'un compte MetaMask ou un Trust Wallet. Et directement, vous pouvez aller directement sur Poucoin. J'ai fait une vidéo par rapport à ça, comment acheter sur Poucoin. Et la roadmap, bon, le white paper, tatati. CoinGecko, CoinMarketCap, ils sont déjà listés. D'accord, en 2022, ils vont faire directement. Ah, carrément, ils vont faire des prises de sang par rapport à ça. Ah, c'est assez fou. Je pense qu'il y aura, bon, voilà, hein, il y aura carrément une entreprise pour vérifier. Mais je ne sais pas si c'est légalement autorisé ou pas. Mais ça va être super, super, super tendu. S'ils le font réellement. Je pense que certains gouvernements ils vont essayer de bloquer cette histoire-là parce que ça peut prendre énormément d'ampleur. Parce que ça peut marcher, c'est ça le pire, c'est ça qui est fou, c'est ça que ça peut marcher. Et ils disent exactement. Bon, ils partent dans un monde un peu fou, mais on va voir la market cap par rapport à ça. Bon, la market cap, elle est de 1 milliard. Non, 1 700 000 $. Ah, la liquidité, 473 000, hein, quand même. Une sacrée quantité. Hein. Il y a eu beaucoup d'achats, bah, comme la plupart des. Ça a bien pumpé, puis ça a chuté. Ah, c'est monté quand même à 11 millions. Hein. C'est pas mal. Hein. C'est fou. Point de vue holder. On est à 5 250 adresses. C'est énorme. C'est vraiment, vraiment énorme par rapport à ça. J'ai l'impression que ça hold.
Les gens sont déterminés par rapport à ça, mais je suis curieux de voir le wallet marketing par rapport à ça. Bon, 26%, je vais aller directement sur Holder pour voir si c'est. Ah, il y a 8 adresses quand même. Il y a 8 adresses. Est-ce que c'est. Bon, 99%, ouais, c'est vraiment log hein, par rapport à ça. Je ferai une vérification en privé pour voir si c'est réellement log ou pas. Vous pouvez vérifier. Hein. Il y a une vidéo comment vous expliquer pour vérifier la liquidité, si elle est log ou pas. Mais j'ai l'impression que ça a l'air sérieux parce que 450 000 sur 1,8 million, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et on va dire l'article. Donc, une vague sperme, c'est quoi les shitcoins qui déferlent sur la crypto-monnaie? Bon, un article sur la crypto-monnaie, ils sont tombés sur ça. Bah, elle a fait le buzz parce que la demoiselle Laure Boudonnais, elle a fait le buzz sur cette crypto-là parce que c'est lié à l'actualité actuelle, bah, tout ce qui est passe sanitaire et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Le monde des cryptos est secoué par une déferlante de monnaie virtuelle de merde. Ok. La dernière date, le Mount Goose Coin. Le jeton Mount Goose débute au mois de. Bon, un élu démocrate et californien critique les shitcoins et les memecoins. Ah, mais les memecoins, ça te rapporte des millions. Comment tu peux arrêter une volonté des gens à investir sur des choses qui leur fait gagner de l'argent? C'est un peu difficile, surtout à l'heure actuelle. Lors d'une audience du Congrès américain, les crypto la menace numéro 1 pour la crypto et la crypto et la crypto. A expliqué Brad Sherman. Ok, le mec il s'est pas pris la tête, il a dit problème de la crypto-monnaie, c'est la crypto-monnaie. Ok, le mec il a pas cherché le Bitcoin pourrait remplacer l'Ether, pardon, et être remplacé par le Doge qui pourrait être remplacé par l'Hamster Coin et puis Cobra Coin, et là là là, ok. Des développeurs ont décidé de prendre cette blague au pied de la lettre. Quelques heures plus tard, Mount Goose Coin est apparu sur une centaine de plateformes d'échange des crypto-actifs. Ah, ok. Par rapport à ça, bon, ça parle de Mount Goose. N'importe qui peut créer une crypto, ça c'est vrai. Il y a un côté des memecoins inspiré de la culture Internet. Des shitcoins qui peuvent relever de l'arnaque, explique Amandine Claude derrière le projet. Temporaire, la menace qui visait à rendre les cryptos acceptables aux femmes. Tous ces shitcoins ne sont pas autant des arnaques, ni les memecoins d'ailleurs. Le premier jour, Dogecoin, créé en 2013, bon, ok, partira sur un truc d'Elon Musk, hein, on le sait. Pardon. Pour ce projet léger, le reste des plateformes identifiées comme Coinhouse ou Coinbase, enregistrées auprès de l'autorité des marchés financiers. Bon, l'AMF, hein. Par rapport à ça, ils parlent de l'AMF, mais eToro, je ne vais pas les reciter, mais je ne sais pas s'ils sont régulés sur l'AMF, mais j'ai un doute. Bon, l'énorme succès qu'il y a eu sur Squid Game, Squid Coin, bon, tout le monde a entendu parler de Squid Game Coin, il a fait la plus grande arnaque en live, bon, la plus grande non, mais celle-ci, elle était pas mal. Sincèrement, les gars, ils ont fait fort sur ce scam-là. Mais elle parle pas réellement de tout ce qui est en réalité. Elle parle pas de tout ce qui est une vaccée de sperme, le shitcoin là, par rapport au sperme des non vaccinés. En tout cas, voilà, on peut voir, hein, c'est un 0 et 5-0. Est-ce qu'il peut pumper? Hop, vu la market cap actuelle, pourquoi pas? Tout est possible, hein. Je suis pas conseiller financier, mais. 1 million de market cap sur la BSC, ouais, il peut faire un x10, on ne sait jamais. Hein, sur un côté, on va dire un côté révolutionnaire des anti-passe, ouais, ça peut exploser, on ne sait jamais. Donc par rapport à ça, c'est assez fou. Bon. En tout cas, il y a 1173 abonnés et je suis curieux de qui les abonnés, bon, classique, hein, code market cap, Binance Smart Chain et tout. Je pense pas que cette crypto risquerait d'être listée hein, sur des grosses plateformes parce que vu que c'est assez politique, ça pourrait être
Ça pourrait être négatif, je ne sais pas par rapport à ça, ça va être... parce que c'est lié à la politique, tout ça, et à l'heure actuelle par rapport au Covid, ça touche un peu tout le monde, mais ça peut, la crypto peut exploser, hein, sincèrement. Si on est des opportunistes purs et durs, bah là on peut voir déjà elle a augmenté. Hein. Elle a augmenté au bout de quelques minutes là, de discussion. Là on peut voir, hein, c'est fou comment ça peut marcher. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner et je vous souhaite une très bonne journée. Allez, ciao, ciao.